Jean-Luc, hier soir, Kaido JL a dû vous faire une fois de plus plaisir, en dernier lieu, en terminant troisième. Bah oui, il nous a fait plaisir, surtout qu'on attendait une réhabilitation de sa part, parce que le coup d'avant, partait galop, c'est jamais trop agréable. Voilà, donc c'est vrai que cette troisième place était bonne. C'est pas dans ses habitudes de partir au galop? Il avait fait un petit peu en début de carrière, deux ou trois fois, il faisait un petit peu le guignol. Là, bon, bah là, ça peut arriver, vous savez. Hein. Après, la dernière fois, il est bien parti. On lui avait laissé une super impression au mois de juin dans l'Albertville en prouvant qu'il avait le niveau des meilleurs. Bon, déjà. C'est vrai qu'il a fait une très belle fin de course ce jour-là. Bon, vous savez, quand on ne fait pas le début de parcours, souvent on finit un peu mieux. Hein. Donc, il faut aussi un petit peu analyser la course comme ça. Mais ceci dit, c'est un cheval qui montre quand même qu'il a de la trempe de ce cheval-là. Oui, la preuve. Dernièrement, il est tout près de Neck et de Hookerberry. Exactement, la dernière fois il court très bien. Bon bah maintenant j'espère qu'il rééditera un petit peu cette performance et puis je pense qu'on ne devrait pas de ridicule. Il peut avoir gagné en condition en plus sur sa dernière course. Ses derniers boulots étaient bons ? Oui, ses derniers boulots étaient bons, il a travaillé tout à fait correctement. Lundi, un peu plus fort, aujourd'hui il a bien travaillé. Non, le cheval il me paraît bien. Voilà. Est-ce que vous allez changer quelque chose dans sa façon de le mettre ou dans sa ferrure ? Non, en ferrure il a sa ferrure légère au capi. Hein. Avant le coup, ça peut bien se passer, même si on sait que c'est des poulains qui se tiennent d'assez près. Vous savez, ce genre de courses, ce sont toujours des courses un peu spéciales. Bon, bah, après, c'est une question de parcours, bon, comme dans toutes les courses d'ailleurs, mais bon, les critériums, c'est un peu encore des courses un peu avec une certaine pression. Donc, faut que la bonne course soit au rendez-vous. Mais oui, on sait qu'il vaut un nez qu'il est tout près de l'autre jour, ou Kerberry, Hirondelle Cibé, ça, ce sont les principaux. Oui, ben, je pense qu'il y a 5-6 chevaux comme qui peut vraiment faire l'arrivée. Mais bon, quand on est première chance avant le coup, peut-être qu'il y en a peut-être d'autres aussi qu'on ne cite pas et qui seront à l'arrivée, qui vont nous faire mentir. Mais bon, ça fait partie de la traînée de course. Bon, en résumé, Jean-Luc, il peut lutter pour la victoire comme vous. Il peut, on va dire, la victoire, il peut lutter pour l'arrivée. On dira ça comme ça.